Good morning, Aleïda et Nessus, aujourd'hui, le Nishmat, Mouvir Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin, Ben Mazal, Rachel Rachel, Batsara, ainsi que l'Urfa, Sarah Bat Betirivka, Rafael Zvulud Ben Chayam Aliyah, Meriam Bat Chassida et Dov Ben Yudit, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah Protecteur, c'est qu'une lutte éternelle, nous étudions Maseret Choulin, Perek Chet, Mishnah Aleph. Kol Abassar, Asur le Bachel Bechalav, Chous Mibessar Dagim Vechagavim, Vassur la Lotoy Magvina la Shulchan, חוץ מבשר דגים וחגבים. הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים. העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל דברי בית שמאי ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. אמר רבי יוסי זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. באיזה שולחן אמרו? בשולחן שאוכל עליו. אבל בשולחן שסודר עליו את התבשיל נותן זה בצד זה ואינו חושש. On commence à parler dans notre chapitre des mélanges du lait et de la viande, avec tout d'abord Kol ha-basar asur levashel bechalav. Toutes les viandes sont interdites d'être cuites avec du lait. C'est-à-dire, l'interdit de la Torah de mélanger le lait et la viande, il est exprimé Lo tevashel gedi bachalev ilmo. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. À entendre de là, selon la Torah, en réalité, ce n'est pas le chevreau dans le lait de sa mère nécessairement, mais c'est tout animal dont la mère l'allait. Donc ça implique en réalité tous les mammifères. En mammifère, c'est justement parce que ça vient de mamelles, parce qu'il y a une mère qui allait, à la différence des poissons et des sauterelles. Et maintenant, la Torah a exprimé trois fois l'interdit l'oté vachal gedi, chalevimo, tu ne feras pas cuire. Et en fait, cette répétition à trois reprises, c'est pour t'apprendre un pour interdit de faire cuire, l'autre pour interdit de manger, et l'autre pour t'interdire même de tirer profit du mélange interdit. On évoquera ensuite, Bezrat Hashem, tous ces interdits un peu plus tard. Pour le moment, la Mishnah tire la première généralité de ça. En réalité, on ne parle pas du chevreau dans l'état mère, on parle de n'importe quelle viande dans du lait qui pourrait être éventuellement sa mère, même si ce n'est pas sa mère, même si c'est une chèvre avec du lait de vache, il y aura aussi l'interdit de la Torah. Selon la Torah, donc, ça implique que les mammifères, donc pas les volailles non plus. Pour les volailles, il y a un interdit midérabanan, étant donné que la viande de poulet ressemble à celle des mammifères, en l'occurrence. Ouais, on peut avoir ça peut se ressembler dans certaines circonstances, avec du veau, par exemple, où la viande elle est plus blanche. De ce fait, Chachamim ont dit, eh ben, même les volailles interdit de manger avec le lait, interdit même de faire cuire en entendant du lait. Il y aura bien sûr quelques différences, mais pour le moment, la Mishnah m'enseigne, donc kol ha-basar, tout type de viande, même bien évidemment, même les animaux sauvages. Ouais, vous allez prendre de la viande de cerf, ou de, je ne sais pas encore, ouais, eh bien ce sera le même principe. Donc kol ha-basar asur levashel bechalav, quel que soit le type de viande, on n'a pas le droit de les faire cuire avec du lait. Il y en a qui sont mis de la Torah, il y en a qui sont mis de Rabbanan. Chutz mi besar dagim vechagavim, à deux exceptions, la viande de poisson et les sauterelles, qui ne sont pas appelées de la viande. Leur chair n'a pas un statut de bassar. C'est pas appelé de la viande, donc on ne peut pas les confondre. Le mélange de lait et du poisson, c'est un vaste sujet. Est-ce que plusieurs sfaradim qui ont le minag de ne pas, qui ont l'usage de ne pas mélanger le poisson et le lait, ça, on n'en parle pas dans notre Mishnah, c'est venu beaucoup plus tard, il y en a qui disent même que c'est peut-être une erreur, dans le Bet Yosef, bon, c'est pas notre propos. Ve'asur, selon la Mishnah, c'est écrit qu'on a le droit de les mélanger. D'accord? Ve'asur la'alotoy magvina la shulchan. Deuxième interdit maintenant, on n'a pas le droit non plus de les mettre tous les deux sur une même table. C'est-à-dire, on va expliquer exactement de quoi on parle après dans la deuxième partie de la Mishnah. Succinctement, on va parler au moins du cas où je suis en train de manger. Si je mange mon plat de viande, je n'ai pas le droit d'avoir un autre plat de lait à proximité. De peur qu'un jour, on va se retrouver avec mon plat de viande et qu'on peut même les faire cuire à table. Si toutefois, on amène une soupe de viande chaude et que je vais finalement prendre un bout de fromage et le mettre dedans, eh bien je vais transgresser l'interdit de faire cuire. Donc même les mettre ensemble à table, c'est interdit. Comme ça, le partenaire l'explique. Xera shemaya legvina imbasar abehema beilfas roter. De peur que tu vas amener une marmite. Pour le moment, on ne parle pas de deux personnes qui mangent ensemble. On évoquera ça dans la deuxième Mishnah Bezrat Hashem, Mishnah Bet. Pour le moment, même lorsque je suis tout seul, j'ai maintenant mon bol de complexe et
J'ai une casserole que j'ai descendue du feu et que j'ai posée sur la table à côté de moi, j'ai pas le droit de manger sur la table à côté, de peur que je vais être amené à les faire cuire. D'accord ? Véasour la loto. Il a. Ouais, on n'a pas trop à manger. Véasour la loto imagvina la shulchan, on n'aura pas le droit donc de le faire monter sur la table en même temps que de la viande, que du poisson, que du fromage sur une table. Chutz mi besar dagim vechagavim, à l'exception que si tu as du poisson ou des sauterelles, ouais, on a déjà appris que les sauterelles ça se mange. Et bien dans ce cas-là, tu as le droit de les manger parce qu'il n'y a pas d'interdit de les manger, de les faire cuire ensemble. À part ça, puisque j'ai commencé à te parler de qu'est-ce qu'on appelle de la viande et que je t'exclus les poissons et les sauterelles, donc la Mishnah m'apporte une halakha qui n'a aucun rapport avec Choulin, mais que anoder min abasar motar bevasar dagim bevasar dagim vechagavim. Celui qui fait un vœu de ne pas manger de viande, il aura le droit de manger du poisson ou des sauterelles. Parce que ce n'est pas de la viande de nouveau. Et lorsque tu fais un vœu, un éder, tu veux t'interdire de manger la viande, eh bien ça implique que ce qui est appelé, ce qu'on appelle de la vraie viande. On peut appeler de la viande de volaille ou de la viande de poulet, de bétail. Mais en tout cas, on ne va pas appeler de la viande les poissons, donc tu auras le droit de manger. Ensuite, maintenant on va mettre le zoom sur l'histoire de ne pas le faire monter sur une même table, et on va voir qu'en réalité il y a une discussion sur ça, et il y a plusieurs détails. Ha'of ole imagvina ala shulchan ve'enon ne'echal. Le poulet pourra être monté sur une même table, avec du lait donc, d'accord, avec du fromage, mais ve'enon ne'echal imagvina, bien sûr, c'est-à-dire Betchama est bien, me dit, tu sais, si tu veux, pour le poulet spécialement qui est un interdit que Midera Banan, alors je te permets d'amener le poulet et de le manger sur la table à proximité du fromage. Mais bien évidemment, tu n'as pas le droit de les mélanger. Il y a quand même un interdit. Telle est l'avis de Bet Shammai, tandis que Bet Hillel Omrim, Bet Hillel me dit le ole ve lo ne'echal. Tu n'as pas le droit de le manger, mais tu n'as même pas le droit non plus de les mettre ensemble, de peur que tu vas les manger ensemble. On explique un petit peu mieux. Vous connaissez la règle que Chachamim ont fait des xérotes pour nous éloigner de l'interdit de la Torah, ils ont fait des décrets, ils ont interdit certaines choses. Mais on a une règle, on ne fait pas une xéra à une xéra. Si je t'ai déjà mis une barrière, on ne va pas mettre en plus à une barrière pour t'éloigner encore plus de la barrière. On t'a mis une barrière devant l'interdit de la Torah et c'est tout. Ça c'est une règle, mais il y a des tas d'exceptions, c'est une règle très complexe. Mais là on a un exemple parfait. Regardez, l'interdit de la Torah c'est de manger la viande de mammifère avec du lait. La viande de volaille, c'est pas interdit par la Torah. Ok, ça c'est un interdit, donc que Midera Banane, parce que ça se ressemble, on risque de les confondre. À part ça maintenant, selon la Torah, j'ai aucun interdit de manger ma viande à proximité du fromage. Aucun interdit. Je ne les mélange pas. Le problème, il est quoi ? Barrière. De peur que tu vas, finalement, pendant que tu es en train de manger, tu es dans l'ambiance, tu vas prendre un petit peu de l'autre, et tu vas les manger ensemble, tu vas plutôt les faire cuire ensemble. Ouais, il a fallu arriver là, un interdit de la Torah. Une crainte, on craint qu'il y ait un interdit de la Torah. Mais en tout cas, regardez, on a deux barrières là. Une, on interdit des volailles à cause de la viande de mammifères. Et à part ça, on t'interdit même de manger à proximité, de peur que tu vas ensuite faire cuire ensemble. Maintenant, question. Venez, viens, on va mettre les deux en même temps maintenant. Est-ce que j'ai le droit de manger de la viande de volaille à proximité et du lait sur une même table? Pourquoi? Qu'est-ce que tu crains? Tu crains que quoi? Que de peur que peut-être que je vais me faire cuire. Si je fais cuire, c'est qu'un interdit de Rabanan. Oui, mais de peur qu'après, demain, tu vas te mettre à manger de la viande à proximité et que finalement, tu vas le faire cuire. Oh, on ne fait pas de barrière à une barrière. Telle est la vie de Bet Shammai ici. D'accord? Ça fait trop, là, tu as mis trop de barrières. C'est la vie de Bet Shammai. Et bien, malgré tout, Bet Hillel Omrim, lo ole velo ne'echal. Tu ne les fais pas monter afin que tu ne vas pas les manger. Le principe, très vaste, on ne va pas entrer dans les détails de trop, mais le principe de Bet Hillel, il est que. Il y a des fois où finalement tu risques de trébucher, ça veut dire qu'on ne te met pas à une barrière, mais il y a des fois où dans un même décret on inclut toutes sortes de configurations parce que finalement tu risques de tomber malgré tout dans le grave interdit. D'accord? C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais en tout cas, c'est la vie de Bet Hillel et comme ça c'est retenu et c'est ce qui nous apprend. Amar Rabbi aussi, Zo Mekole Bet Shammai ou Mechomre Bet Hillel. Attention, ça retient bien, en général, quand tu as l'habitude de voir Bet Shammai ou Bet Hillel dans les Mishnayot, Bet Shammai sera toujours plus mahmir, plus rigoureux que Bet Hillel. En l'occurrence, souviens-toi que dans cette Mishnah, ça fonctionne à l'envers. Bet Shammai est plus permissif que Bet Hillel. Ça arrive parfois, d'accord? Ensuite, Be'eze Shulchan Amoru. Attention, dans quel type de table je t'ai interdit de le faire monter? C'est-à-dire, quand je t'ai dit que tu ne le mettras pas sur une même table, dans quelle configuration je t'ai parlé? Be'shulchan Shochel Alav. Sur une table où tu es en train de manger dessus.
Aval beshulchan shesoder alav et atavshil. Par contre, si ce n'est pas ton heure du repas, juste tu prends les plats, tu les descends, tu as préparé plusieurs plats, tu as préparé des plats de viande et tu veux sur une même table mettre à côté des plats de lait. Ouais, dans la mesure où il n'y a pas de problème, ça ne communique pas. Tu veux le poser sur une même table. Eh bien, Aval beshulchan shesoder alav et atavshil, sur une table sur laquelle il va disposer ses plats sans les manger. Noten ze betzad ze ven chosesh. Tu auras le droit de les entreposer un à côté de l'autre sans rien craindre. Tout simplement parce que notre problème, il est que tu vas vouloir les goûter, mais si tu n'es pas en train de manger, eh bien tu ne vas pas les mélanger. On ne craint pas la chose. Bah, au prochain, c'est ce qui nous permet dans un frigidaire de poser un plat de viande à côté d'un plat de lait avec une seule condition, de faire attention qu'il n'y ait pas d'éclaboussure. C'est précisé cette fois-ci dans le Tosfot Yom Tov. Veno chosesh, ou bilvad shelo yonogim zevaze, à condition qu'ils ne vont pas se toucher. Et on verra ça de nouveau plus dans la Mishnah, quoi faire ensuite si toutefois c'est oui entre en contact, il y avait un morceau de fromage qui entre en contact avec un mot de viande, comment surmonter le problème, comment rincer tout ça. On parlera de tout ça un petit peu dans la prochaine Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, salam.